Bonjour à toutes, c'est la Galaxa, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le 8e épisode, excusez-moi, de Pokémon, pour Pikachu, je me suis l'esprit, je vois. Et toi là, tes fesses sont à moi. Parfaitement les deux, donc pas touche. Bon, tu peux m'en donner un. Ce serait mignon que tu m'en donnes un. Attends. Tad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 
Faut détendre quelque chose jusqu'à la voix actée. Jesse James. Je me rappelle plus, putain. Écrase face. Pour lui. Ça vibre. Attends. Hop. Hop. Merci. Encore. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire attaquer lui. Je sais, je vais prendre ça. Bien. Voilà. Ok. Ça, c'est quand on a des combats comme ça, il faut vraiment attaquer un Pokémon à la fois. Parce que si on attaque les deux, le combat Fuzz va durer plus longtemps. On va avoir plus de misère aussi à les mettre KO. C'est une blague, ce mioche a gagné, cette mioche. Une femme. La team Rocket à la vitesse de la lumière. Attends. Il nous dit Pikachu. Kensu n'est pas du tout impressionné. Allez, il faut dégager. Merci. Ne danse pas, ne danse pas. Bim, Rock 4. On est enfin sorti! Cinq Pokéballs, ok. Ne danse pas, c'est bon. Ah, c'est eux qui trouvent, c'est pas Pikachu finalement qui trouve. C'est eux. D'accord. Je sais pas. Non. Ah, on va. Ah! Vite! Oh, mais un sablette. On a un. On a un deuxième. Oh non, mais. Putain. Putain. Bim, joli. Un, deux, trois.
Ok. Oh, super belle. Azuria, yes. L'Arbus en face de la boutique Pokémon bloque le passage vers le sud de la ville, mais il paraît qu'il y a un autre chemin. Ah. Belette, Belette. Je m'occupe de Pokémon blessé, j'ai soigné ce bizarre et il est d'attaque maintenant. Par contre, je sors son brasseur chevronné pour s'en occuper. Quelqu'un qui avait déjà capturé tout plein de Pokémon sur vous. D'ailleurs, combien de Pokémon assistantes? Super, c'est l'heure de prendre ce bébé bizarre. Ouais. Deux bébés bizarres. Pourtant, Ok. Mais qu'est-ce que... Tu vas aller là? C'est quoi ce genre de ça? Ouf. Tout content que j'aille se jeter. Oh, mais regardez-moi ce petit Pikachu qui a le regard vif. Il semble tout à fait apte à apprendre mes capacités à Pokadabra. Alors, ne fais pas de chichi, tu veux que je les enseigne? Esprit. Une attaque électrique rapide comme l'éclair qui inflige un coup de critique à coup de feu. Frappe en priorité. Et Pika Sprint. Avec ça, je te garantis que tu vas nouer des liens indéfectibles avec ton Pokémon. En combat, les deux catégories de capacités physiques et spéciales. Si tu as un Pokémon doté d'une attaque élevée, enseigne plutôt des capacités physiques. Connais Léo, on raconte que c'est un vrai Pokémoniaque. En fait, les gens sont juste jaloux de lui. On a tous un petit côté Pokémoniaque, mais lui, il en est fier. Ah là là, c'est Léo. Il donnera n'importe quoi pour mettre la main sur un Pokémon rare. Salut toi, tu as un tu as une chance contre le mien. Ah, voilà. Ah, c'est un ratata de l'oulage. C'est trop cool l'échange. Bar, bar à tête. Cool. Alors surprise, hein, mon ratata, il vient d'Alola. Et oui, les Pokémon peuvent avoir une forme ou un type différent selon leur région d'origine. Et pas tant, hein. Ah mais c'est cool. Cool, c'est cool. Ah, yeah.
En faisant des échanges avec tes amis, tu peux obtenir plus de Pokémon. En plus, les échanges les Pokémon échangés grandissent plus rapidement. Non, je ne veux pas jouer avec Pikachu. Content. Tac. Y. J'en ai, hein. Ok. C'est bizarre. Ça va, hein? Tadam! Alors, t'as la reine d'Azuria. On a fait la maison ici. Par la maison ici. Les bâches arènes sont portées par des dresseurs de haut niveau. Je vois que je ne vois rien. Mais j'ai envie de papoter cette heure qu'on parle de badge. Enfin, dis-moi quel badge t'intéresse. Pourquoi tous ces badges? Un super bonbon. Tellement beau, sérieux. Tadalam. 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 Non, mais quel scandale. Je souhaitais me rendre à la boutique Pokémon avec mon amour de Jenin. Non, Jenix. Et voilà que l'on refuse d'entrer en compte. Il est pourtant sage comme une image et entre seul dans sa Pokéball comme un crin quand on se trouve dans des lieux trop exclus. Vraiment. Parce qu'il est trop grand, madame. Était lui. Il m'est arrivé un truc, un de ces trucs, j'étais en train de masser la tête de mon mélopée à 2 mètres tranquillou quand je me suis rendu compte que ça donnait un max de volume à sa chevelure. Du coup, j'ai continué, mais tout ce que je voulais faire au final, c'est lui rendre sa chevelure d'avant. Ok. Electro Météore, mais non, pas cette capacité, l'autre. Ah là là, c'est compliqué les combats. Faut croire que les Pokémon n'écoutent que les dresseurs qui sont à leur niveau. Pour là, je vais en prendre 5. Si tu connais les super bonbons, ils se vendent pas en boutique, mais il paraît que ça permet de faire monter un Pokémon de niveau d'un coup super, non? Plus tu accumules des badges en battant des champions d'arène, plus la sélection d'articles en boutique est intéressante. On ne vend les meilleurs objets qu'aux meilleurs dresseurs après tout. Tadadadada. Tadadadada. Tadadadada.
Oh, je crois qu'on va s'arrêter ici pour là. Cette maison a été commandée d'appeler Thomas, ce sera un coup de la Team Rocket. Les pauvres gens qui vivaient ici sont encore tous secoués, alors je surveille leur maison pour les rassurer. Je ne peux laisser entrer personne. Bah, on va s'arrêter là. Du coup, Warcry. Gars, Karine, j'ai vu un pot qui parle. Un pot qui parle là. Juste, j'arrive pas à me calmer. Il faut un combat pour redescendre toute cette odeur d'alim. Oh punaise. Bon ben, on va faire ça. Tintin. Je pensais que c'était Blue. Mais c'est là, il a changé et tout. Et non. Allez, Pokémon. Allez, change. Allez, tout le monde monte là. Changer. Allez. Ah, punaise. Allez. Ouais. Tac. Ah, punaise. Utilise une potion. Ah. Allez. Bim. Allez. Quatre coups. Allez. Ouais, ça marche plus. Allez. Ok. Ouais, tu m'as bien calmé là. Qu'est-ce qui t'a pris? Purée, désolé, hein, je panique pas comme ça d'habitude. Je voulais te dire un truc, mais avec toutes ces émotions, ah oh ouais, ça me revient. En fait, je continue par là, tu tomberas sur la maison de Pokémon qui s'appelle Léo. Il paraît qu'il y a plein de Pokémon rares qui aiment bien montrer à qui veut donc. J'ai voulu y faire un tour, mais t'imagines ce que j'ai trouvé en arrivant. Déjà, aucune trace de Léo en question. Par contre, en plein milieu de la pièce, il y avait un Pokémon qui parlait. Oh, le malaise. C'était super glauque. Je me sauve le plus loin possible de ce truc. Fais attention à toi si tu décides d'y aller. On va s'arrêter là pour là. Ouais. Alors, Ouais.
Alors, c'est ça. Alors, merci à tous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve prochainement pour un autre épisode. Allez, je fais des gros bisous. Bye bye.